Bonjour. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. All right. Good morning, everybody. You're just too good to be true. Can't take my eyes. Bonjour à YouTube. Bonjour à Facebook. Bonjour la reine Nadège, bienvenue sur ma page. Que la force des ancêtres soit avec toi. Je crois que vous connaissez comment vous connectez sur mon YouTube. Attendez, je dois faire un message. Connectez-vous. Bonjour la reine Laura, donnez-moi les cœurs s'il vous plaît. Vous savez que j'ai fait les bonnes choses dans votre vie. Vous savez. Just be true to yourself, you know. Bonjour la reine Esther. Je vais regarder ton téléphone. D'envoyer un message. La cloche et le bafou, s'il te plaît. La reine Norita, bonjour. YouTube, bonjour, bonjour, Joël. Bonjour, la reine Marie-Emma. Bonjour, la reine Michel. Bonjour, reine Ouroa Kafak. Nous allons rentrer dans un moment d'intimité. Bonjour le roi William, j'ai très bien dormi.
Merci pour les cœurs, merci de famille. Bluetooth mode. Bon, je vais mettre de la bonne musique d'abord. Je viens purifier l'atmosphère. Je commande la bonne humeur en vous. Toute lourdeur qu'il y avait sur votre esprit. Vous êtes réveillé, vous êtes de mauvaise humeur, vous ne savez même pas pourquoi. Je plante, je suis en train de creuser dans votre cœur, je mets ça. Vous allez vous lever, vous allez danser, chanter. Comme si tu as trouvé un billet de 10 euros dans ta poche. Comme si tu as trouvé 1000 francs dans ta poche. Alors que c'était pour toi, hein? C'était ton argent. Parti, tu t'es levé, c'est parti, tu as oublié. Récupérez vos idées maintenant. Recevez les idées.
Merci pour les cœurs. Vous êtes des hommes. Je vous envoie des cœurs. Je vous envoie des cœurs. Par peur de ce que ta tante allait dire, tu allais, tu as avorté. C'était des jougs. Jusqu'aujourd'hui, cette personne n'a pris sur vous. Tu avais très peur de cette personne. Quand vos mamans sont mortes, tu les as vues comme une figure féminine ou bien une figure maternelle, voilà. Et la personne t'a trahi intensément. Donc, dès qu'on est entré dans ton cœur, on a planté la tison de bouteille, on a tiré. Bonjour la reine Vanessa. T'as eu mal. Il va falloir que je laisse cette douleur partir. YouTube, donnez-moi les cœurs. Vous êtes connectés, mais vous ne donnez pas les cœurs sur ma vidéo. Mettez les pouces comme ça. Certains d'entre vous, vous venez de commencer une nouvelle relation. Et vous êtes en train de voir comment vous êtes en train de vous séparer. Oh, il va m'abandonner. Oh, oh, oh. Blocages d'adolescence qui sont en train de vous bloquer maintenant pour votre relation. Je vais sonner cette cloche et vous allez laisser cette peur partir. Merci la reine Eugénie.
YouTube, ça te... Ok. Merci pour vos vidéos sur YouTube. Vraiment, l'enseignement est très fort. Ça m'énerve de le découvrir seulement maintenant. Mais si tu crois, tu ouvres mes yeux dans une autre dimension. Vous êtes en train d'apprendre à les règles de la maçonnerie spirituelle. Et tu apprends à construire ta vie toi-même. Tu es le maçon de ta vie. Tu prends la brique si tu déposes. Tu prends ça, tu déposes. Tu prends l'équerre, tu prends le... Tu mesures les angles. Là où tu ne veux pas, tu dis... Vous apprenez à enlever. Je vois aussi comme si tu arrivais, il y a un mur qui a les trous. Tu es en train d'apprendre à fermer les trous. Je te vois aussi peut-être... Tu vois souvent quand tu prends le maïs qui est un peu gâté, non? Quelques grains sont bien, quelques... Là-dedans, il y a les grains qui ne sont pas bien. Donc l'esprit me montre que vous êtes en train d'apprendre à enlever les grains qui sont mauvais. Premièrement, tu regardes ton passé, il vous donne aussi la clarté sur votre passé. Tu arrives à voir les erreurs que tu as commises dans le passé. À te rendre compte. La reine Amel, merci de faire de moi une autre femme et une mère spirituelle. Amen. Vous allez commencer à enseigner aussi les gens. Il y a le lavage des enfants, je ne sais pas si vous avez oublié. Si quelqu'un d'entre vous a oublié le lavage, qui prend le lavage de ses enfants? Lavez vos enfants. Donc on est allé à l'eau dimanche, on était à l'eau hier. Ceux qui n'ont pas pu faire toutes ces cérémonies-là, vous pouvez vous rattraper aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens dans la nuit, on leur a dit de faire encore un autre aujourd'hui. C'est la reine Annette. Merci pour ces enseignements. Pourquoi ça n'était pas connu avant? Tout arrive toujours dans le temps divin. Tout. Tout. Peut-être que si tu me rencontrais à cela 5 ans, tu allais passer sur moi, tu allais dire, regardez-moi la fille là. C'est déjà le chapeau qu'elle porte comme ça. Regarde, elle fait comme ça. Tu n'avais pas encore bien souffert. Excusez-moi. Hein. Ma parole, c'est grave. La souffrance n'était pas encore touchée. J'étais là, je crânais. La reine Sophie, ça fait une semaine que tu me connais et tu vois les merveilles déjà. C'est super. Beaucoup d'entre vous, écoutez, saisissez ce qui est en train de se passer. Merci, c'est très touchant, j'ai été transformé beaucoup, ma reine. Je vous dis pleinement merci. Je prie que le Seigneur vous fortifie. Je reçois. Amen. Amen. La reine Anne Arlette, depuis 2 semaines que je te suis, merci pour les enseignements. Merci la reine Arlette. Avant, vous vous sentiez perdu, vous
vous sentiez seul. Il a fallu que tu te fractures le pied pour me connaître par ta soeur, la reine Hortense. Yes. Ma reine, je remercie le Seigneur pour ta vie. Merci Seigneur pour la vie, pour ma vie. Merci Seigneur pour mon fils Rosaire et mes enfants futurs. Je vais sonner cette cloche et je veux que vous voyez en fait tous les trous, tout ce qui manquait dans votre vie. Genre, je n'ai pas ça, je n'ai... Oh, je suis une femme, je ne peux même pas faire tout seul, il faut d'abord que je me marie avant d'ouvrir le business. Il faut d'abord que je... Tous les il faut d'abord là. Allez-y, laissez partir tout ça. Femme en bas là-haut, je vais pas vivre là-bas, je serai seule. Toutes les peurs là, j'enlève. Je chasse tout mauvais esprit de votre cœur. Les esprits générationnels là, venant de vos parents qui vous ont bloqué depuis des années. Merci d'avoir partagé ma vidéo. Peur que vous ressentez souvent dans votre corps. Vous connaissez maintenant ce que vous devez faire. Certains d'entre vous, c'est aujourd'hui que vous commencez. D'autres, ça fait 3 mois. Et vous savez que c'est tout un processus. Certains d'entre vous, vous avez arrêté de vous habiller bien. L'esprit veut dealer avec ça. Bonjour la reine Priscilla. On va passer sur votre apparence physique. L'esprit veut restaurer vos idées. Bon, pour ceux qui sont intéressés, on est en une séance, ça c'est carrément de la méditation, mais seulement je n'ai pas un peu accentué. Donc on a des séances de méditation tous les vendredis à 21h. Donc si vous êtes intéressés, vous écrivez en inbox. On a des séances de méditation tous les vendredis. Et c'est 15 000 francs CFA le mois. En euros, c'est 25 euros le mois. Et si vous avez raté, on peut, tous les enregistrements sont disponibles, vous pouvez les écouter à nouveau. L'apparence, beaucoup d'entre vous, vous êtes négligés. C'est tout même pas de votre faute. Hein? C'est pas de votre faute. C'est comme un esprit carrément. Voilà, la reine Nathalie, on te reprend dans les rêves par rapport à la vie. Vos cheveux qui sont gâtés, là vous allez partir pour coiffer aujourd'hui.
que vous avez gardé pour aller à l'église avec dimanche là. Inspirez, juste inspirez. Et vous expirez. Aujourd'hui, je déclare que ma beauté s'étend sur les quatre coins de la terre. Je suis belle. Je suis belle. Oui, j'ai vu tes cheveux. Il y a une sur YouTube qui dit, voilà, merci, tu as vu mes cheveux. J'ai vu tes cheveux. La reine Judica, elle, merci, merci. Inspirez à nouveau. Laissez partir vos vieux vêtements là, laissez partir, laissez. Certains d'entre vous, vous devez apprendre à faire le nécope à nouveau. Repartez acheter, commencez même avec les petits trucs là. 1000 francs, 2000, allez dans les primaires là, vous achetez. Les trucs moins chers, vous commencez avec ça. Ça va vous redonner l'envie, bientôt vous serez en train d'acheter des trucs Mac. Certains d'entre vous, vous allez vous coucher pour dormir. Il va sonner la cloche ici. Quand il va sonner, hein, les femmes coquettes là, vos habillements coquins, coquettes là vont sortir. Ok? Voilà. J'enlève tout habit sale selon Zacharie chapitre 4, verset 3, 4, 5. Tout vêtement sale qu'on a mis sur vous. Quand je sonne ceci, je commande à, Satan, je le chasse, je le répudie. Satan, je te répudie de la vie de ces enfants, les enfants de Dieu. Vous savez, quand les gens ne vous aiment pas, il faut que tu t'habilles encore bien, tu mets le rouge à lèvres. Il faut que je cherche pour vous, je cherche comment on va bloquer la ficelle. Je cherche comment on va la bloquer. Pourquoi elle est encore belle? Allez me faire un petit shopping aujourd'hui là. Mais c'est un habit, tu achètes. Mets ça sur toi comme bien. Tu ne tombes pas ça là, comme ça là. Déclare que vous faites taire les jaloux. Certains d'entre vous, votre mère était très jolie. Votre mère s'habillait. Votre mère me dit de vous dire qu'elle n'était pas. La mère de quelqu'un me dit ça, elle était dit qu'elle n'était pas une laide de femme. Donc il faut que vous arrêtez ça. Quand tu regardes ça, dit que yé, tu es l'enfant de qui? Sérieusement, j'ai compris, j'ai dit, tu vois, j'ai dit. Ta mère a les habits là, les photos, tu vois, les anciens photos, ils partaient tous aux photographes là, ils arrêtaient la fleur comme ça là. Je vois en fait une photo de ta mère où elle était chez le photographe, elle avait arrêté la fleur comme ça. Elle était posée comme ça. Elle me dit que tu prends cette photo, tu regardes comment elle était belle. En fait, même ma mère est en train de me parler actuellement. J'ai compris, maman. Vous voyez les anciennes photos d'avant là, non? Ma mère avait ça là. Elle poche, elle s'accroupit, elle fait ça là. Avec la photo de la voiture derrière, ou bien la photo des fleurs derrière. Thank you, bien précieuse. Thank you. Merci pour votre témoignage. Hello, good morning. I thank God for the day I fell on your page. It's been 2 weeks now. Remain blessed. Thank you. Yeah.
Ça vous fait rire, non? Même si je vous paye, allez prendre les, vous allez voir les pantalons par téléphone que vous payez porter là. Vous pensez que vous payez les mofs. Je ne vois pas parce qu'il est vieux maintenant. Mais... si c'est les habits traditionnels. Dans la boutique de Gouramou Sadi, on vend spécialement les vêtements traditionnels. Donc on va faire une boutique virtuelle aussi pour ça. Il y a tellement d'habits traditionnels, tellement. Quand vous voyez un rêve, il y a même une là hier, elle me disait voilà, elle a rêvé, c'est vu. Elle m'a vu là avec mon habillement, elle a vu sa part le don. Donc les habits que moi-même je porte, ils m'ont donné les instructions. Je vais mettre ça en vente aussi. Parce que vous savez, le Seigneur m'a parlé du côte de Joseph. Le vêtement de Joseph. L'habit. Je ne sais pas qui a dit que l'habit ne fait pas le moine. Eh ouais, Corinne, merci ma reine. Après avoir reçu vos enseignements, j'ai reçu ma demande en mariage. Nous sommes en train de faire les préparatifs. Eh ouais, connectez-vous au mariage. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Oh, 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 oh. Amen, oh, nous bénissons ton mariage. Pasteur Aline, bonjour. La reine Aline Bindele. Avant, je m'appelais pasteur aussi, pasteur Jocelyne. Maintenant que j'ai découvert que je suis une reine, je pense que reine a pris le dessus sur pasteur. C'est pour ça. Reine a pris le dessus. Qui sont ses ancêtres se manifestent physiquement là-bas et parlent avec eux. Merci, je reçois cette bénédiction, la reine Rosina.
que l'Esprit te dit de porter le vêtement original de Moïse. Fais-le donc. Ok, je cherche même ça en ligne, je ne sais pas à quoi ça ressemble. À Douala et bientôt à Yaoundé, les produits Libreville aussi d'ailleurs, les produits qu'on vend, ce sont des produits pour activer vos pouvoirs, les chapeaux spirituels, les vêtements avec les coris, les choses comme ça, vous savez, les produits comme ça. Message ce matin. Donc, je vais vous le lire, je vais arrêter la musique. Vous devez développer l'habitude de d'écrire vos pensées. Beaucoup d'entre vous, vous avez perdu l'habitude d'écrire. Et ça fait que vos émotions sont accumulées à l'intérieur. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je viens préciser que on a le lavage des enfants aujourd'hui. Et ceux qui ont raté l'offrande à la mère, dimanche et hier, c'était très puissant. Vous pouvez vous rattraper aujourd'hui. N'oubliez pas. Donc, on aura le baptême. On va faire des baptêmes. Ça va commencer à Douala, fin août. Donc, ceux qui sont intéressés, vous allez vous inscrire. Fin août, on fera les baptêmes. Donc vous devez noter vos pensées. Il y a un cahier où vous notez vos pensées. Parce que quand vous ne le faites pas, vous perdez des informations. Il y a trop de bruit à côté de vous. Ce qui fait que vous perdez des informations. On joue beaucoup. Bonjour. Vous perdez. Donc, on vous donne les instructions la nuit, beaucoup. Mais quand vous vous réveillez le matin, quand vous n'écrivez pas, depuis des jours, on t'a dit va acheter tel truc. Va verser tel truc là-bas. Va là-bas, fais ça. Comme dès que tu te lèves, off you go. Tu es en train de perdre. Il n'y a pas d'autre moyen de communication entre eux et toi. Il n'y a pas. Tes rêves, ton intuition. Et parfois quand tu tombes sur mes vidéos, merci pour les pouces que vous donnez à ma vidéo.
Merci aussi pour le partage. Oui, mon demande de vous dire de commencer à noter. En dormant, mets un petit cahier à côté de toi. Parce qu'on va te montrer tes prières. Hier qu'on a fait le rituel à l'eau. C'était une sorte d'initiation et de restauration des pouvoirs des choisis. Ils ont dit, ils vont le parler dans les rêves. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'acheter un animal. Je vois un chien. C'est l'autre chose qu'ils m'ont dit de vous dire. Parce qu'il va absorber l'énergie. Certains d'entre vous êtes très stressés. Vous avez beaucoup de mauvaise énergie. Vous ne savez pas pourquoi. Mais vous êtes dépressif. Vous avez mal à la tête. Parfois, vous allez voir une petite constat, tu vas pleurer. Parce qu'il y a beaucoup en toi qui doit sortir. Certains, vous avez besoin d'aller voir un thérapeute. Bonjour la reine Célanie. Vous devez aller voir un thérapeute. Comment savoir que ce message est pour toi? Quand je parle, ton cœur, donc... Comme ça, vous savez que c'est pour toi. Certains pour parler, vous avez besoin de faire votre chaîne YouTube. Où vous faites vos vidéos. Bonjour le roi Kofi. La reine Kofi Augustine, pardon. Bonjour la reine Florence. Mettez-moi les cœurs comme ça, YouTube. Là, on est dans un. Ce que je vous dis est très, très, très intense. Donc. Vous avez besoin soit d'aller voir un thérapeute, pour d'autres, vous faites une page YouTube. Publiez vos vidéos, parlez de vous, n'ayez pas honte. Le fait de parler, ça va vous libérer. Pour d'autres, il faut que vous vous permettiez qu'on vous aime. Ça va commencer peut-être avec des soins. C'est-à-dire que vous devez aller faire des soins du corps, soins du visage, massage. Donc, nous avons, à partir du 15 août, vous pourrez venir aussi à Douala. Il y aura des séances de libération d'énergie.
Bonjour la reine Niembe. Certains d'entre vous, vous avez même peur que les gens sachent que vous êtes en relation. Vous vous cachez. Vous avez peur. Ils disent de vous dire de... Commencez d'abord par... Je dis d'écrire beaucoup. Acheter un animal aussi. Il va absorber beaucoup de l'énergie négative que vous avez. Merci pour les cœurs. Marie-Rose, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, moi. Moi, je suis à Libreville. Je suis à Douala demain. Après, je suis à Bafoussam, après, il y a Yaoundé. Peu importe le pays où vous trouvez, on poste vos affaires. Et le travail à distance, on fait à distance. Même ceux qui veulent faire les sacrifices d'animaux, on fait tout ça à distance. Ok. Je viens vous fortifier. Et restaure vos affaires. Toute personne qui vous avait oublié se rappelle de vous. Louise, écris sur WhatsApp pour le sacrifice à la mère. C'est pas un sacrifice, c'est une offrande. Donc, ceux qui n'ont pas fait l'offrande à la mer depuis qu'on a fait, ça fait deux fois. Il y a une séance de rattrapage aujourd'hui. On manifestait pour avant 10 heures. Parce qu'il y a 15 minutes avant qu'on ne fasse, il y avait des gens qui s'envoyaient toujours leur demande et leur argent. Vous sentez beaucoup de lourdeur dans vos bras. Instruction spéciale. Allez encore vous coucher, vous dormez. Ils vont vous montrer des choses. Si vous pouvez acheter un chien, comme j'ai dit là. Fabi Love, tu ne peux pas venir à la mer, je suis à Libreville. Toi, tu pars dans ta ville, fais ta part. Pas de soucis. Bon. Moi, je dois aller me coucher. Il y a beaucoup d'énergie qui va te sortir. Merci pour les pouces, merci pour les cœurs. Toute personne qui a appuyé ici, même des cœurs, qui a commenté, je te remercie Seigneur, parce que tu bénis cette personne. Merci pour ceux qui ont partagé mes vidéos Seigneur. De la même façon qu'ils veulent que les gens connaissent cette bonne nouvelle, Père, que leur vie ne manque jamais de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Je déclare qu'ils vont revenir avec leur témoignage, Papa Yahweh. Au nom de Jésus, Amen. Pélagie, ça c'est ma dernière journée à Libreville. Donc les mots de Libreville sont en haut de ma vidéo. 0741 80 080.